Salut les touristes, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réussi à noircir tous mes plastiques noirs. Mes tours de roue, mes baguettes de porte. Alors j'ai pas fait les rétroviseurs. Ah, Alisa veut montrer. Et j'ai pas fait les poignées de porte. Voilà, ça je les ai pas fait. Mais j'ai fait les baguettes noires et aussi les tours de roue, les tours d'aile. Alors d'ailleurs, vous avez pu voir que j'ai changé mes pneus, notamment à côté, mes crampons. Voilà, vous pouvez voir. Là, c'est vraiment des gros crampons. Et ça fait 5 cm, je crois. Oh non, ça fait pas 5 cm. Et donc voilà, j'avais vraiment tout noirci. Donc ça fait vraiment beaucoup plus propre. Alors ça efface pas les rayures. Ouais, voilà, ils ont été pas mal abîmés par l'ancienne propriétaire. Mais là après il faudrait les poncer. Enfin, j'ai pas envie de m'embêter à ça. Ça reste un 4x4, c'est pour faire du 4x4. Dans la boue. Ouais, voilà, dans la boue. Et donc j'aurai encore les poignées de porte à faire et aussi le rétroviseur aussi de ce côté-là. Et donc je les ai fait voilà, avec ce produit-là. Polytrol, rénovateur de support, spécial plastique, métal, pierre, certains l'utilisent aussi sur les piquets d'ardoise, des trucs comme ça, les salons de jardin, enfin moi j'utilise que ce produit là pour les baguettes noires et c'est super et je vais vous montrer comment je l'applique. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous. Et un petit bleu.
Des textos ou des emails? Hein? Oui, bah c'est bon. Et donc là, voilà, vite fait, au niveau du... Voilà, ça redevient instantanément noir. Et voilà. Et donc voici le résultat. Donc ça fait vraiment bien noir. Donc par contre les rayures ça les efface pas. Je vais tester un produit aussi parce qu'on avait fait du tout terrain et voici toutes les rayures que j'ai sur le 4x4. Et donc ça va être l'occasion de tester des produits. Alors si vous en avez des marques de produits efface rayures qui fonctionnent bien, et que je peux tester, et ben dites le moi dans les commentaires, et comme ça ce sera l'occasion de vous faire une vidéo sur les effaces rayures, parce que là franchement vous voyez il y a de quoi effacer.